Bonjour bonsoir, aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc nous avons euh, un peu tout la fois-ci, nous avons en premier de la ensuite nous avons une lampe flot compacte et pour finir deux lampes à incandescence tubulaire. Voilà. On va commencer par la petite flamme euh, taillée et dépolie. Alors, c'est une champion. Hop là, une petite champion comme ça, voilà. Une champion de 60 watts, 230 volts. Voilà. Ça a l'air d'être fabriqué en France, euh, des années 2003, je pense, environ. Voilà. Une flamme taillée et dépolie euh, en, en incandescence, voilà. On va la mettre sur la douille, on va la brancher sur la douille, hop là, E14, On la correctement. Bon, j'entends un petit bruit quand, même quand je la touche, du coup c'est bizarre, Je sens qu'elle n'est pas, qu pas morte. C'est parti pour le test, 1, 2, 3. Bon, ça a l'air d'aller visiblement, mais vu ce que j'ai entendu, je pense qu'elle n'est pas neuve-neuve non plus, hein. moins, mmh. moins, moins moi, hein. elle fonctionne mais voilà, elle est un petit pesée je pense, mais elle fonctionne nickel heureusement, bon, ça commence déjà bien la première petite lampe qui fonctionne, donc voilà, pour l'instant une lampe qui fonctionne, c'est cool alors, ensuite nous avons une petite lampe le compact de chez Osram Osram Dulux E-Long Life, 7 watts 7 watts 41 827, donc du coup c'est une blanc neutre 220 230 volts, non 240 volts, c'est marqué, marqué un peu de travers 50 60 hertz, c'est fabriqué en Allemagne, donc c'est une vieille lampe encore. Soit euh, ci en E14 avec culot en laiton, donc ça c'est cool. Il euh, y a une électrode qui a bien marqué là, c'est celle avec un bleu point noir. Celle-ci elle a énormément marqué. Et même d'ailleurs, ça a tracé là. J'espère qu'elle fonctionne encore, mais je ne pense pas. J'espère mais l'espérance là à ce niveau là je pense que c'est pas bon. 1, 2, 3. Alors là elle a fait un flash. Et je sais pas si on peut l'entendre. L'amorceur qui amorce dans le vide, visiblement. Alors là, elle est vraiment morte, je pense. Alors au début, elle flash. C'est bizarre. Est, voilà, C'est bizarre. Elle flash. Mais on croit qu'elle peut se reconnecter, mais même pas. Ça, c'est quand la est complètement déchargée qu'elle flash quand elle sera bien sous tension. C'est bizarre. Mais là, j'arrive pas à la faire fonctionner. À mon avis, elle a une électrode qui est pétée. Donc c'est pas la peine, je la ferai, en, je la ferai passer en bir, burning tout simplement. J'espère par contre qu'elle n'y qu a, a pas d'espèce de, de domino dedans. Des fois, les lampes, elles sont encapsulées dans une espèce de contour en plastique, là. ce qui fait que eh ben, je peux mettre, je peux rien faire. En fait, je ne peux pas modifier le ballast. Parce que si je modifie le ballast, je pète le domino de, fixe, de, de connexion et du coup, ben, elle ne fonctionne plus du tout. On ne peut rien faire avec elle. Donc à voir, on verra bien. Mais du coup, pour l'instant, ça fait une qui ne fonctionne pas. Dommage. Dommage dommage, euh, une qui fonctionne et une qui fonctionne pas. Voilà. Voilà, hein, c'est un petit peu dommage. Ensuite, euh, nous avons une petite euh, lampe tubulaire en, euh, en E27 de chez Philips. Fabriquée en Pologne, Alogenat 200 watts. 230 volts. Donc voilà, je les ai récupérés dans le même bac d'orchage les deux là. Comme ça. Alors, je sais pas si on peut le voir. En fait, c'est une lampe halogène. Il y a une capsule à deux filaments à l'intérieur. Donc, c'est une dépolie, un peu crade, mais assez sympathique. J'en avais pas encore ce genre de modèle. J'espère juste qu'elle fonctionne. Mince. Je vais mettre l'adaptateur. Et c'est parti pour le test. Même si elles sont un peu crades, normalement, elles devrait fonctionner. Un. 2 3 Waouh! Alors là, franchement, j'adore ces modèles. Regardez-moi ça. Alors, on voit même le. Regardez, c'est magnifique. Et tu le petit support. Alors, vous avez le petit support qui maintient des deux côtés euh, le, la, la capsule halogène. Ou par contre, ça se voit que c'est halogène. Parce que là, quand je la pose, on va voir au sol. Quand je la pose, regardez ce que ça fait. Ça se voit, c'est fragile, hein, comme Hop. Eh bien, nickel, hein, j'adore ces modèles-là. Je ne sais pas que vous en avez fait des trucs comme ça, de chez Philips. Des halogènes tubulaires, comme ça, ça fait, ça fait un petit peu penser aux lampes à tubulaires. les différentes tailles. Franchement, euh, je suis vraiment super euh, content. Et la seconde, c'est pareil, je ne vais pas vous la présenter, c'est pareil. Une tubulaire de chez Philips Alogena. 100 watts, c'est parti. 1-2-3, et eh bien elle pareil aussi, nickel. Pas de souci à signaler. Il y a deux filaments qui sont même pas détendus pour celle-ci. Vraiment, j'adore ce modèle là. J'en avais pas en stock dans ma collection, donc ça m'en fera deux. Juste à nettoyer, et puis c'est bon quoi. Je sais pas à quoi elles servent ces genres de lampes là, dans quel type de lumière elles, euh, enfin, elles, elles sont plus utiles. Pourquoi Philippe euh, euh, a créé ce genre de, de, de lampes et pour quel luminaire précisément Quel type de luminaire Je ne sais pas. En tout cas, bah, ça me fait trois lampes qui fonctionnent et une lampe qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc une lampe à et deux lampes halogènes. Et puis pour la celle qui ne fonctionne pas, encore une fois, une flot compacte. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir